Salut les amis, c'est Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien, on s'ouvre un second coffret noix de coco d'aloe lavé que j'ai reçu dernièrement. Donc j'ai déjà fait la présentation sur la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Pokémon, il y a plus de 200 vidéos déjà. Et n'hésitez pas, pareil, à aller voir ce que j'ai droppé dans tous les items Pokémon que j'ai ouverts. Que ce soit du 25 ans célébration, du règne de glace, patati patata. Donc allez voir ça. Ça me ferait vraiment plaisir que vous laissiez un commentaire. Le coffret est super bien scellé. Voilà. C'est fait en espérant dropper du lourd par rapport au coffret précédent. Comme d'habitude, la carte promo et la Jumbo. Désolé si vous entendez le bruit de mon ventilo. Il fait très chaud en ce moment. Donc voilà la Jumbo et voilà la mini carte. Voilà, ça c'est fait. Et donc les 4 boosters de Pokémon Go. Et c'est parti. On va avoir donc ces 4 boosters à ouvrir. En espérant, comme je vous ai dit, de dropper de belles cartes par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu que des holos, donc allez voir. Allez, c'est parti. Je vous donne le code, les amis, c'est pour vous. Hop, 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie foudre. Non, énergie psy. Énergie psy. Steelix. Xatu. Magados. Sauf Kipou, nous avons Ambrilex, nous avons Chamallow, nous avons Bulbizarre, nous avons Onyx, nous avons une peu commune reverse de Xatu, et on commence avec une petite V de Monaf Limite V. Je crois que celle-ci, tout le monde l'a eu, hein, Monaf Limite V. Hop, espérons avoir autre chose que ça, ce serait bien aussi. Allez, deuxième booster. Je retire le code. C'est parti, 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est toujours un code sur deux que je donne. Avec une énergie plante. Non, énergie feu. Énergie feu. Capitaine d'équipe blanche, Camirupt, incubateur d'œufs, cap humain, Bulbizarre, Poichigeon, Magikarp, nous avons Onyx, nous avons une rare Holo Reverse de Samurai, et nous avons encore une belle carte, et nous avons Melmetal V. Ça va? Là, le coffret est plus généreux que le coffret précédent. Donc là, on a une Holo Reverse et une seconde petite V à se mettre sous la dent. Donc voilà. Et donc troisième booster. C'est là qu'on a un hit dans chaque booster, ce serait top. Le code pour vous les amis. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie métal. Yes, ça mérite des pouces bleus. J'ai trouvé la bonne énergie. Alors, moduleur. Reptincelle. Infect. Meltan. Magikarp.
Capumain, Salamèche, nous avons Evoli, nous avons une commune reverse de Rattatak d'Alola, et nous avons la rare holographique de l'Euphorie, que j'ai déjà eu, il me semble, dans le coffret précédent. Bon, espérons avoir du très lourd dans celui-là, sinon c'est déjà une très bonne ouverture. On a eu deux petites baies. Hop, je retire le code. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Donc, il n'y a pas d'énergie à savoir, vu que c'est une carte V-Star. Nous avons le Vénard, capitaine d'équipe Spark, Migalos, Poichijon, Magikarp, Meltan, Evoli, Pikachu. Nous avons en rare Holo Reverse de Elector. Et on termine avec une simple rare de Léviator que j'ai déjà eu aussi. Mais là, ça va, on a eu quand même. On va voir ça dans le Recap Time qui va suivre là, dès que je sleeve les cartes. Donc, Recap Time. Donc, nous avons eu deux rares Holo Reverse, Samurai et Elector. Nous avons eu donc deux cartes holo de l'Euphorie et Léviator. Et donc les deux hits de cette ouverture. Monaflemite V et Melmetal V. Voilà. Donc ce coffret, on l'applaudit fort parce qu'il était très bien. Et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.